Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Oh non, c'est pas vrai. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Jobarbi, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Je me demande qui vivait ici.
Bonjour, Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous, avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe Barbie sont juste là, pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Accepterais-tu de m'en dire un peu plus sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Je vais essayer de sauver un Joe Barbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Tout va bien à présent. J'ai récupéré un Joe Barbie. Chick espère que votre Joe Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de Vaudelune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les Vaudelunes se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais trouver un Vaudelune. Chick attendra votre retour.
rébellion. Rébellion.
Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des choco-grenouilles, ne touchez à rien. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gai Chiffon. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Thank you.
Je suis heureux de savoir que Clémentine est enfin délivrée de son obsession pour ces maudits papillons. Ce train, ça va. Revelio.
Réveillon. Thank you.
Chick, qu'est-ce que je dois faire déjà? Ils peuvent être durs à trouver. Comme ils ne sortent que la nuit, il faudra parfois attendre en fonction de l'heure qu'il est. Toudou, les vieux sauts. Là, je ne te ferai pas de mal. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Lumos.
mon frère va mieux grâce à toi. Et il m'écoute désormais. Il semblerait qu'avoir des betteraves à la place des pieds remette les idées en place. Revelio. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! Mais de quoi s'agit-il? Chic n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. Regardez ça, c'est incroyable. Oh, où on est, Chic? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat.
Chic pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chic l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préaulard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger, et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chic vous montrera comment les utiliser. Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai. Excellent. J'ai récupéré des matières premières magiques. Chic va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement ! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chic pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser.
J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle soit chaleureuse et confortable, comme si je flottais dans une bière au beurre. C'est parfait. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations.
Chic sait également que certaines boutiques de Préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chic. Thank you.
En route pour de nouvelles aventures. C'est de commencer par le plus difficile et de laisser le plus facile se régler. Si vous avez des plumes de Dirico, je suis preneuse. Réveillon. Bonjour. Ah, bienvenue à Pic et Peck. Je suis Ellie Peck. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flaireur. Un marchand de louterie Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatou. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Enfin bref, que cherchez-vous ? De la peau de veau de lune, des plumes de Dirico? Je devrais en avoir la semaine prochaine. J'ai un mal fou à en trouver, ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des Dirico dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire, croyez-moi. La plupart des fournisseurs de plumes de faucifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. Rien de bien surprenant quand on entend le cri de ces choses. Oh, mais un tel plumage, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos étagères. Ah ça, à qui le dites-vous? Avant, je vendais des créatures. Les affaires marchaient bien. Mais j'en ai eu par-dessus la tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flaireur. Oh, vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre de bonnes mains. Cela n'était pas le cas avec certains de ces propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. Et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose. Car les articles partent vite. Littéralement. Merci, je n'y manquerai pas. Prenez tout votre temps. Et merci de votre visite. C'est un plaisir. Que pouvez-vous proposer ? Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me trouver. Je serai ravie de vous revoir. N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra.
Allô, Mora. Demi-guise. Je suis heureux de savoir que Clémentine est enfin délivrée de son obsession pour ces maudits papillons. Réveillon. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir.
d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Je vous dois une fière chandelle. Il paraît que vous avez trouvé un trésor dans la forêt. Personnellement, l'aventure ne m'a jamais attiré. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Revelio.
Le sortilège Lumos n'empêche pas de l'avoir. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Revelio. Lumos. Lumos.
Si quelqu'un s'en prend à moi, je l'enverrai 6 pieds sous terre. Puis-je vous rappeler que la principale arme d'un sorcier est son esprit ? Les bonnes manières sont importantes, n'est-ce pas? Même en combat. En rejoignant le camp du plus fort, on ne peut pas se tromper. C'est le doute et l'imagination qui signent la fin. Lumos. Réveillon. Si tu crois que tu peux faire mieux que moi, tu as abusé du whisky Lumos. Sur feu. J'avais du mal à porter mon butin au dernier vol. C'était pas si compliqué, finalement, Merlin. Réveillon. Custodalus. Allô, Mora. Bien coopérer un peu. Jamais. Incendio!
Réveillon. Lumos. Allô, Mora. Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal.
Revelio. Levioso. Oh non, c'est pas vrai. Levioso. Revelio. Levioso. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Revelio. Levioso. Confingo. Voilà une agréable surprise. Levioso. Revelio. Levioso.
feu. Les deux sauts. Confringo. Lumos. Réveillon. Je vais faire ça depuis des heures. À l'usure. Les habitants des Campolars en haut tremblent en me voyant arriver. Ah,
Et ils ont bien raison. Hâte que cette journée se termine. Quelle performance, pose-moi. Confingo.
J'ai un frère qui travaille à Gringotts. Pour rien au monde, je ne voudrais passer mes journées assis à un bureau. Finissons-en. Leviosa. Action. Confringo. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Voyons quelle tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Je meurs de faim. Leviosa. Refuso. Confringo. Revelio. Désormais, vous rendre à Telcroft en un instant. Si vous voyez Anne Palo, saluez-la pour moi.